من أجل تسوية إشكالات معينة، وهو أن السؤال أو الامتحان الذي أعطي للطلبة يعني يتجاوز نقطة من قال أكثر يعني في الفلسفة أو في اللغة أو في شيء من القبيل، قال يعني هذا يعني السؤال يتطلب أكثر يعني من كذا فعل، ويتم التراجع في سلم التنقيط أو تكيفي يعني بطريقة يعني أو بأخرى. وبالتالي الأستاذ عندما يضع سؤالا يحدد الهدف من هذا السؤال، إذا أجاب الطالب يعني صواب بناء على الهدف الذي حدده الأستاذ خلاص انتهى الأمر، ياخذ علامة كاملة. أما أن أقيم طالب في كل شيء حول ذلك السؤال فأعتقد يعني غير يعني. شكرا. شكرا. Pour répondre à la question de M. Halim, mais pourquoi est-ce que c'est toujours l'évaluation du côté de l'étudiant? Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans un cadre institutionnel. C'est le statut de l'étudiant qui fait que c'est lui qui est évalué en premier lieu. Mais ça n'empêche pas, comme le disait le professeur Essali, c'est que nous aussi, nous avons notre propre conscience professionnelle. Nous pouvons nous évaluer. Parce qu'attention, un enseignant supposé, nous sommes tombés dans ces cas de figure, supposé que vous avez une promotion de 200 étudiants. Et sur les 200, il n'y a que 10 qui ont la moyenne. Vous trouvez ça normal, vous? Et on accuse les étudiants. Alors que non, non. Lorsque vous avez, par exemple, un certain nombre d'étudiants qui sont recalés, ce n'est plus la faute des étudiants, c'est la faute de l'enseignant. Autre chose aussi, en matière d'évaluation, l'évaluation, ce n'est pas un ensemble de recettes. Je ne peux pas évaluer de la même façon un compte-rendu, un résumé, une dissertation, un QCM. À chaque fois, comme le disait le professeur Issali, lorsque je veux une évaluation, je dois lui donner ses objectifs. C'est pour ça qu'il y a des différences de notes. Parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de finalité. Pourquoi est-ce qu'on demande un corrigé-type? Pourquoi est-ce qu'on demande un barème? C'est pour pouvoir justifier. Et c'est pour être sûr, justement, que l'enseignant connaît la réponse. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des enseignants qui posent des questions, qui ne connaissent pas la réponse. Ils sont obligés de tricher quelque part. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'à l'université, il y a beaucoup d'enseignants aussi, en fait, qui donnent à leurs étudiants des sujets d'examen tout prêts, tout faits. Lorsque je suis enseignant, lorsque je suis professeur, c'est à moi de rédiger. C'est moi qui dois confectionner véritablement mon sujet. Ils n'ont pas à le trouver sur Internet ou dans un livre. تقييم كان student assessment or the student continuous assessment or student continuous evaluation, and then you're talking about teachers continuous evaluation. Now in the whether in the British Council or the American Corner, all the time they have organized what we call it workshops or professional development workshops. Each time they have posted in the website. Okay, so if the teacher is curious enough, he can attend such workshops and get an affirmation or at least an overview about what does it mean assessing and what does it mean evaluation. Here it depends on the teacher if he is curious enough to get that in touch to those training. Okay, if we are just talking about the student training assessment, even the teacher can attend such workshops and get an overview about assessment. Because there are teachers from different countries, from the UK, from the USA, from New Zealand, and different, they attend that to the British Council and try to train the teacher for 2 or 3 days about what does it mean evaluation and what does it mean assessment. Okay. I think that such is, to a certain extent, a remedy. Okay, so that was a comment. J'ai une simple question pour le professeur. Pouvez-vous dire un mot sur l'éthique de l'évaluation? L'éthique. L'éthique, oui. De l'évaluation. Je préfère l'appeler éthique. Voilà, je vous remercie. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'à l'université, on a tendance à utiliser deux termes. Le premier terme, c'est le terme de déontologie, et le deuxième, c'est le terme d'éthique. La différence qu'il y a entre la déontologie et l'éthique, c'est que, étymologiquement, déontologie, cela signifie ce qui convient. Oui, c'est ce qui convient par rapport aux normes. Alors que dans l'éthique, encore une fois, il y a beaucoup plus une dimension morale quelque part. Vous voyez, il y a une dimension morale parce que tout simplement, il y a aussi ce qu'on a appelé justement la conscience professionnelle. Alors que la déontologie, c'est tout simplement un certain nombre de normes que vous devez à la rigueur respecter et mettre en application.
Donc l'éthique, c'est beaucoup plus profond parce qu'en fait, elle interroge notre psyché, directement nos valeurs intrinsèques. I think that I'm not saying that your question is not very relevant, but the same ethics which apply to teaching apply also to testing. Testing is just a component of the learning or teaching process, Mohammed has said. Normally, you see what I mean? Now, if you believe that there are ethics for teaching, it's taken for granted that there are ethics for testing or evaluation or assessment. By the number. لا هو يعني هناك يعني بعض المقاييس يعني بالتأكيد لما تسمى بالأدبيات يعني أرى بأن هي المقاييس التي ينبغي أن نستند إليها أن تكون هناك أهداف أن يكون مستمرا أن يكون بنائيا أن يكون صادقا أن يكون ثابتا هذه أن يكون يعني متنوعا هذه الأدبيات عامة ينبغي أن نلتزم بها بالنسبة لكل المكونين معنا أولاً يعني لا يمكن لأن يعني في موضوع التقييم هو في حد ذاته إشكال يعني لماذا لا نجد الآن مفتشين على مستوى الجامعة لأن الموضوع من يقيم من يكون هذا متخصص في لذاتك تعليمية من يقيمه هل يكون هناك مفتش التعليمية يسبقني بخبرة هذا أنا رئيس قسم والذي أنا رئيس قسم أستطيع أن أقيم كل أساتذة أبدا لا أستطيع Non, non, s'il vous plaît, le docteur Chauri a tout à fait raison. Pourquoi est-ce qu'il a tout à fait raison? Parce que tout simplement, il n'y a intervient un problème de statut. C'est le statut du chef de département qui fait qu'il a l'autorité. C'est pour ça qu'il faut faire la différence justement entre la compétence et l'autorité. Il a l'autorité qui s'arrête de sa responsabilité. C'est un aspect aussi qu'il faudrait avoir à l'esprit. Il y a autre chose aussi, encore une fois, je reviens à l'autonomie de l'enseignant. Et il y a quelques années, les années 2000, j'avais été invité par un inspecteur général de français. Où à chaque fois, c'était la même expression qui revenait dans sa bouche. À chaque fois, lorsqu'il parlait aux enseignants, il leur disait, écoutez, il faut adapter au niveau des étudiants, des élèves, il faut adapter. Ah, donc, monsieur l'inspecteur, écoutez, écoute-moi, je veux bien, vous êtes une soixantaine de collègues. Fais un mouchement, t'as adapté. Je veux dire, savons ce que veut dire adapter. Mais est-ce que véritablement je connais les mécanismes de l'adaptation? Avec un goulot maintenant, si je vous demande la définition d'un paragraphe, tout le monde sait ce qu'est un paragraphe. Mais est-ce que tout le monde sait écrire un paragraphe? Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des recettes. Je peux avoir la recette, mais est-ce qu'en fin de compte le plat est convenu ou non? Ça c'est autre chose. بسم الله الرحمن الرحيم شكر الله وسعيكم بارك الله فيكم عندي ثلاث نقاط في أسئلة about the evaluation I mean how do we evaluate students above language or in language I mean do we evaluate them in terms of grammar phonetics and in terms of writing for example essays Do you evaluate the information, the mass of information, or the grammar? Okay. And the second point is about intellectualism. I mean, do you open, for example, do you give time to your students to discuss their marks with you, grades? Do they have the right to do so? And also discussing during the lecture. So these are our points. Thank you. مشكور أستاذ كنتاوي you study our students and you know that maybe it's part your bad experience that you're bad yeah looking in your free of العربية free of long yes
please do not forget that there was a struggle between to teach the skill or to teach the content. So, but by the end, we are language teachers. We're not content teachers. Mr. Kudret teaches civilization and history, but in which language does he teach? In English, fine. So, if we are really truly teaching a skill, means listening, speaking, reading, and writing, maybe the focus would be more on those capacities in mastering the skill itself. But without forgetting that the all on the vehicle is the linguistic one. So we have to assess both the information, or let it be the content, and the language itself. Now, the degrees differ according to the nature of the subject matter, and again to the coefficient. Because people, they really look at the coefficient now. But we do not have to neglect the language issue. So, how can I give you something in a vessel or in a recipient that I did not accept? I will be now more archaic or informal. So, then the what we call in pedagogy conferencing. And conferencing here, when we meet the students and discuss anything, homework, assignment, or exam. By force of law, they have the right to see their marks, their paper, they have the right to have a clear rating scale, and they have the right to have what we call a sample correction. الصح الإجابة النموذجية ما هيش تتحصل عند الخياط. Right? So, if we are, نتخذين بعين الاعتبار, there are learning styles and teaching styles too. أما لما راح أطلب طلبتي, لما مديت لهم أسئلة مباشرة, راح أطلب أغلبية. ولما مديت سؤال واحد, راح نطلب الأغلبية الأخرى. So, I have to stick to my objective. هذا هو الحل الوحيد. But I have to be clear with my students for the very session that, look, by the end of this semester, you will be able to do that and that and that. And that is why we have to give the students syllabus and the teacher syllabus. Assessment, it is put traditionally at the end of the course. But it is just what reflects the objective of any student. So, they have a right to see their marks, to comment on them, with their limits, of course. And what is your question? The third one? The other one normally is not related to it. It's about intellectual engineering lectures. Discussion. You mean discussion? Yes. During the lecture or during the feedback? During the lecture. About the marks? No. In general, that's... We would have another... I just tell you in one sentence, at the university you are supposed to teach adult learners. And if you go back to other videos and video reviews, whatever, you will find that there are 14 principles to teach adults. Amongst them, they must be active, autonomous, and they take part in designing the course. Thank you. I want to add something to that. Do you mean in the classroom or outside the classroom? No, in the classroom, in the lecture. Now, if you have got time constraints, I'm asking you because you are a teacher. Normally, if I don't really pay attention to the syllabus. For example, I have to finish the syllabus. No, it's not about that. I have to stop this. I have to stop this because it will be a big bump. No. We are not going into that. بسم الله الرحمن الرحيم. I had some points to raise, and my teacher, Mr. Shoki, will comment on my yes. I'm Mr. Saud Ammar from Matsouf, Magister student of University of Tunisia. As teachers, we find ourselves teaching to the test. So we are preparing our students for exams and tests. So here we use ready-made tests, as we call standardization or one-size-fits-all. So, which is motto? Your goods have been given back to you. Are we supposed, or are we arming our students with skills or competencies
to reach creative thinking or high-order thinking skills to, let's say, to reach or to improve quality education. Yeah. Thank you, sir. Ahmad, okay, thank you for this question. Why do you give a statement and say that we teach to test? Me, for example, honestly, I don't like tests. Ask my students. I dislike test examination. I don't like them. Now, if the administration allows me to adopt the administration. I'm a teacher. I'm a teacher. Whether you believe it or the others believe it or not. For me, assessment. I adopt an approach, right, which doesn't rely too much on testing. Testing, it's a checkpoint. Normally, you have got objectives and the ahdaf tak, and you move ahead. So, to what extent have you moved from the point of departure? And how much is left to achieve your objectives? It's simple. It's a person who works. مش لا بروبليم سيكو حنايا الاسسمنت اكزامس نديرو حتى غير في المدرسه حنا ملي نزيدو حنا في الاسسمنت ليفالواسيون اون ايفالو ولادك تيفالويهم تشوف نفسك تشوف زوجتك تشوف بنتك اتسترا ات هوم هذه ليفالواسيون يعني ليفالواسيون سي سي هيما سي ناتوريل هذا الـ هذا الشطر الثاني الشطر الاول من الجواب هذا هو الجواب السؤال تاعك بس بالنسبة للسؤال أنا يعني بالنسبة لي يعني رأي خاص أنا بالنسبة لي لو كان جاي عندي سلطة كامل امتحانات نحا يدرس سنوات ليسانس تثبت له الحضور بعد شهادة تفضل تخرج بعد كفأت في العمل أصحاب العمل هم اللي يشوفوك يعني يشوفوك ما تدرس لا لا سيك سيغو بليز سني با اوسي سامبل سلا لا سني با اوسي سامبل باسكو لو دكتور شوقي il vient de préciser un élément qui est fondamental à جماعه c'est que très souvent, nous oublions justement le cadre institutionnel dans lequel nous travaillons. Nous sommes obligés d'être capables de respecter les contraintes. Écoutez, lorsque vous avez par exemple les étudiants, un demain examen est à 1h30, mais à condition que réellement 1h30 leur suffise. C'est-à-dire, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Issani, je sais qu'en 1h30, ils sont capables de faire. Moi, je me demande un examen de 3h, on compte durant 1h30. Et la plupart du temps, il y a beaucoup d'étudiants qui ne terminent pas pour le cachet, c'est des 5 minutes, 10 minutes, etc. Et là, personnellement, qu'est-ce que j'ai tendance à leur répondre? J'ai fait un examen d'1h30. L'examen, c'est l'équivalent d'une bombe. Compte à rebours. Vous êtes capable de la désamorcer, c'est tant mieux. Vous n'êtes pas capable de la désamorcer à temps, vous sautez avec. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Non, là c'est pour vous montrer le respect de la contrainte. Il supposait qu'un Kimriwari, un romancier qui écrit un roman de 5 pages, 50 pages, 500 pages ou 5000 pages, est-ce que c'est la même chose? Attention,
5000 pages, c'est beaucoup plus facile que 5 pages. Vous allez me dire la quantité. Là, la quantité, oui, mais c'est du concentré. Alors que 5000 pages, ça pourrait être du verbiage. Le problème, c'est lorsque vous êtes dans une émission sur un plateau de télévision, je vous le dis le dernier mot, un des clavines. Et les gens qui ne savent pas ce qu'ils peuvent dire en 30 secondes. Mais surtout les Européens, les Occidentaux, en 30 secondes, ils sont capables de dire beaucoup de choses. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc le fait de ne pas avoir des examens, c'est bien. Ce n'est pas réalisable. Nous sommes capables exactement de respecter les contraintes. Vous savez, j'étais à une réunion au niveau de la conférence régionale. Et là, je vous parle en tant que vice-recteur. Mais c'est l'interdit que les imdur un article pour la soutenance, mettre un article, etc. LMD, 3 ans, là. Vous devez m'écouter. Et là, je suis logique. Je suis un universitaire algérien. Vous demandez, est-ce que la thèse de doctorat LMD, on la passe en 6 ans. Vous demandez, est-ce qu'il n'y ait pas d'article pour la soutenance. Vous devez, pareil, Moubachra, vous êtes en train de dire que les Algériens et les Algériens sont des imbéciles, ils sont des incapables. Soyez logique. Lequel Al-Gam, il est capable de faire une thèse de doctorat en 3 ans, il est capable d'écrire un article, ils le font. On a les Algériens, on le fait. Pas ça, va pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est pas normal. Maintenant, tout le monde est capable de faire une thèse en 3 ans, sauf les Algériens. Tout le monde est capable d'écrire un article, sauf un autre. Je lui ai dit, vous tous soyez logique. Quelque chose, on n'a pas besoin. La publication a dit, c'est le couronnement. Vous tous, là, il n'y a qu'un khatam minhaji. Normalement, nos étudiants, on ne devrait pas les laisser à la dernière minute pour écrire une publication. Clairement, la publier l'article. L'article est mis le bidaya. Il y en a parce que nous ne savons pas encadrer. Le véritable encadrement, c'est quoi? Un des fukra. J'ai oublié fukra, l'image. On va la concrétiser à travers un article. L'article TAC a été reçu pour publication. C'est-à-dire que c'est une bonne idée. Madame, c'est une bonne idée. Aïe, elle est fukra. On va en faire le chapitre, t'as le doctorat TAC, une section. On va faire une partie. Tanalala. J'ai fait simplement administrativement. Pour la soutenance, j'ai besoin d'un article. Allons faire le feu. C'est normal. On est sur logique. Tu acceptes l'idée que l'étudiant est capable en moyenne de rédiger une thèse de 250 pages, ou maintenant, je te fais comme quoi il doit rédiger une dizaine de pages pour la publication. C'est pas normal. C'est pas logique, chaque thème. Qui pêche 5 pages, il n'est pas capable de rédiger pour un article, ou 250 pages, il le fait. Maintenant, c'est du copier-coller. Maintenant, c'est du plagiat. Comme ça. Mais je vois, en tant qu'Algérien, où j'ai été touché au Stéphane. En tant qu'Algérien, l'Algérien est capable de faire une thèse en 3 ans. Mais 3 ans, c'est une boulot, 4 ans. Mais 4 ans ou la 5 ans, ça ne doit pas devenir une règle. Mais tout le monde est droit. 6, 7 ans, on est incapable. Pour un tas de raisons. Mais l'Algérien laisse un tas de raisons. Le monde entier a les mêmes problèmes de société, les mêmes problèmes au niveau des universités. Ils ne sont pas mieux placés que nous. On leur a tout donné. Le problème, c'est une question de volonté. Parce que j'ai été, je fais la conférence. Parce qu'on est bon. Please, if you don't like exams, it's okay. I will tell you some incidents about me. I was a student in the pharmacy university. طلبة في مدرس كانوا ما عندهمش أستاذ حارس. كيف يحرصهم؟ Then, the other classrooms were okay, but the Anfi were very frustrated. They say, we want somebody to invigilate us. So, how come that you cannot go without an exam and you neglect the exam? On the other hand, if we are talking about ongoing assessment, تقييم والتقويم المستمر, we are not talking about grades. كيفاش أستاذ يقيم طالب ما يجيش يقرا عنده شهرين؟ كيف يقيمه؟ وبعد في الآخر يجي ريكلام على النوع. كنت مريض، اسكو نقيمك على حساب مرضك؟ والله عندي جيستيفيكاسيون. هذيك باش ما تتقصاش من الامتحان. بصح تقويمك في البناء اللغوي تاعك ومهاراتك وبنائك الفكري. مين نحكم عليك انايا؟ نورمالمون راكو فهمتو. اذا هذا سي كان كونترا مورال، لازم مسؤوليه كبيره كون تطيح عليكم انتم، مش باش نهنوكم على نتائجكم النهائيه في اخر العام. اوف كورس كاين بزاف عوامل يخضع على هذا الشيء، ولكن الطالب اللي ما يتحملش على الاقل مسؤوليه دروسه، مسؤوليه انه يحضر.
الأقل باش يجي يتحمل مسؤولية تحضير الدرس ما يقدرش يكون راني تقيم بصفة مليحة. كاين آلاف الصفحات اللي نقدر نكتبهم لكم على الآليات كيفاش نقيم كل طالب وحده. بصح وراكم هذا ما كان. Parce qu'écoutez, on a beaucoup travaillé sur l'absentéisme des étudiants. On leur a posé la question. Il y a beaucoup d'étudiants, ils voulaient que je m'absente parce que je n'apprends rien. Là, attention, quel est cet aspect, hein, les étudiants, Adrien. Ils voulaient qu'elle ait trop fait ça pour l'année, elle peut les mettre à l'issue pour l'année, mais elle est attachée. Il y a cet aspect. Autre chose, moi je dis franchement les choses. Il y a des Zoumalettes, ils sont compliqués, pardon, ils sont complexés à l'âge. Et vous le kiffez chez un étudiant, m'a parlé pendant deux mois, et il dit l'examen, pour nous une bonne note, tellement de rappelage. C'est pour ça qu'il faut relativiser les choses. Certains étudiants, ils n'assistent pas parce qu'ils en ont marre, ils n'apprennent rien. My colleague said that how can we assess you ongoingly and you are very often absent? Yeah? How can a teacher assess it? Right. Ongoingly, his learners and he is very often absent. Non, avec ça, parce que d'aller très loin, les absents qui sont allés, les anciens qui font chantage, j'ai une demi-heure après où tu n'as pas la part à Tom Raibin, ou l'absence collective. Le soual. تحدثنا على أهداف على توحيد المعايير تحدثنا على الأهداف إذا كان توحيد معايير بصفة عامة قلنا تاع الأهداف على أي مستوى يكون هل يكون على المستوى الوطني أم مستوى الجامعة أم على مستوى الكلية أو على مستوى السياسة يعني مش نحدد على توحيد يعني بمعنى تاع نفس المعايير لكن كسياسة وكفلسفة عامة. S'il vous plaît, pour répondre à la question de monsieur le chef de département, la logique veut qu'il y ait uniformité d'abord au niveau du département. Ça, si nous prenons le cas à les langues, notre cas par exemple, j'étais président du comité scientifique, et ce que je leur avais dit, c'est que, écoutez, on a généralement trois grandes spécialités. Quelqu'un, les enseignants de didactique, les enseignants de sciences du langage, les enseignants par exemple de littérature. On m'a déjà, chaque spécialité, c'est une échelle. Ensuite, à l'intérieur, par exemple, des sciences du langage, le type d'évaluation, il dépend aussi encore du type d'examen que vous donnez. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, je ne peux pas évaluer de la même façon un QCM qu'une dissertation. C'est en fonction des objectifs que je me donne. Supposons, peut-être le QCM, par exemple. Quel des QCM, par exemple, pour vérifier l'acquisition d'un certain lexique? Quel est le QCM pour voir si justement vous avez retenu les règles syntaxiques? Oui, même donc l'évaluation c'est encore une fois en fonction des objectifs. Quant à vouloir généraliser les modalités d'évaluation, je ne suis pas toujours d'accord. Allez, parce que c'est une façon que nos autres Algériens avons de nous échapper, de ne pas nous confronter directement au problème qui est posé. Et voilà, donc, en tant que vice-recteur, chaque faculté elle a sa spécificité. بعد تلقى العمداء يقولوا لا علاش ما يديروش كيما دير الشيخ الكليه تاع اللغات مش كيما الكليه تاع العلوم الانسانيه مش كيما تاع العلوم الدقيقه هذه شاكون il faut assumer nos responsabilités et comme l'ont dit les collègues c'est d'abord une question de savoir-faire par chaque enseignant et rien ne nous empêche par exemple de regrouper quelques les enseignants de didactique qu'aiment les tafos à la manhajia mouaïna en fonction du type d'examen qu'ils vont donner على مستوى
بالنسبة لهذا السؤال أنا أجيبك كرئيس قسم وأجيبك كأستاذ. أجيبك كرئيس قسم دائما نلح على الأساتذة في المادة الواحدة على أن يجتمع الأساتذة الذين يدرسون الأفواج تلك المادة على ضرورة تنسيق وضع المعايير حتى لا يحدث هناك تفاوت بين الطلبة في هذا الفوز وطلبة في هذا الفوز. وهذه مشكلة عويصة إلى اليوم في نفس المادة. قال مثلا المادة تاع اللانجويستيك جينيرال يعني لسانية العام يدرسها عندي كهف أساتذة في التفويج طلبة العلامات من 12 حتى 16 وطلب العلامات 9 3 4 5 من شنو نقول وهذا لا عبد ولا انصاف. لكن كذلك مشيئات اخرى كاستاذ وضع المعايير ينبغي ان تكون هناك خطوط عريضه نتفق عليها سياسه معينه ما هي القواعد او ما هي الخلفيه التي يجب ان نلتزم بها اثناء التدريب حتى لا يحدث هذا يعني التفاوت الكبير. لأنه صحيح تفاوت وفيه ظلم للطلبة في ظلم الطلبة أن أحيانا كرئيس قسم أني أتدخل لإجبار بعض الأساتذة على التراجع في بعض القضايا لأن فيه ظلم للطلبة. قال مثلا هذا أستاذ فقط في هذه التقييم تاع الماستر مثلا يعني في هذا يعني الأسبوع يعني يعني مجموعة من الأساتذة أنا كنت يعني حاضر كل النقاط من 14 إلى 16 وفي فوش آخر كل النقاط من 9 إلى 5 في ماستر دي ليش مهم؟ وبالتالي ينبغي على مستوى كل ديبارتمون أننا نتفق على الخطوط العريضة للدكتور. ولكن لازم نرجع شويه للتغيرات هذه شغل متطوره بزاف في عرفتها الجامعه منذ بداية الاصلاحات 2005 2006 2008 بعد 2010 2011 حتى 2014 تغيير جديد. ثم في زوج قعدوا يتخطوا الاستاذ والطالب في آلية التقييم التدريس كلش. في بداية الاصلاحات قرروا انه كل ال ام بي تفتح يكون ذو صبغة جهوية ولا إقليمية، معناها الـ NMD اللي يتحل فيه بسكرا يكون يستخدم الـ NMD يتحل فيه جهة الجزائر، حتى الـ NMD اللي يتحل فيه ورقلا يكون عنده يحترم خصوصية المنطقة. وبالتالي أصبح خاصة بأقسام اللغة اللانجويج ليرنر ولا باي فورس أن إي إس بي ليرنر بس وأهملوا بزاف جانب الديداكتيكي هذا اللي راهم راجعوا له دركا. ركزوا أكثر على كثافة التكوين والله الحكم الساعي دون أن ينظروا إلى دون أن يراعوا آلية التقييم والتقويم. التقويم المستمر كاين في الجامعة الأساسية في المدرسة الأساسية في الإجماليات والثانويات ولكن ما يمشيش في نفس الآليات اللي تمشي بها في الجامعة. لأنه كي تحكم الطالب في الجهة من 5 في الامتحان و 18 في التقويم المستمر ماهيش على بالنا شكون النمو وماشي هذا هو المشكل. بعد الجامعة قادت تتخبط آلية التقويم ونساو باللي رجعوا بصفة غير مباشرة إلى النظام الكلاسيكي. إذا آلية التقويم نظام راعي فيها كل أهداف عامة تاع كل قاضي يتحل على مستوى القسم. بصح هذا مش راح يتعارض مع المفاهيم العامة. أنا كأستاذ في جامعة ورقلا العام جاي نحول الجامعة أخرى هذا مش راح يحدث لي خلل كبير. لأننا أكون ما أعرفه learners سوانا جاي من upgrading context. المشكل الآخر اللي تطرح أنه ما في بداية الأمر فضوا لنا وش نسميه the European common European framework هذا اللي نخدموا عليه. حبينا adapt not adopt حبينا نرجعوا في upgrading context ثم صار صراع. ولكن هذا عارض صحي اتهاب في فاين مش نقص عارض صحي أننا نحاول نتحكم في الآليات أكثر ممكن هذه هي بداية. إذا
إذن ماشي النقطة هي المشكل، بصح كنت عود مقرر بدون ما يكون عندي امتحان، اسمحوا لي هذه فوضى مقنعة ومقننة. شكرا. S'il vous plaît, il ne faut pas vous le répéter au sein, il y a des choses qui sont imposées. Là, je m'attends à c'est que c'est vrai que Daoula Jazari a un dossier, c'est un. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'au niveau du ministère, il y a des commissions qui ont été constituées. Ou les commissions ad hoc, c'est nous les enseignants. Qui vous les enseignants, je m'attends à l'administration, parce que là, les programmes qu'on a, les enseignants les dérangent, volume horaire, c'est les enseignants les dérangent. Bon ben, lorsque ça ne marche pas, l'enseignant il commence à accuser l'administration. Ce sont les enseignants qui ont fait les programmes, et ce sont les experts enseignants qui ont expertisé. Donc il faudra que nous, en tant qu'enseignants, nous sommes tous les étonnés. Nous sommes tous les talabas. Non. Toutes les commissions déroulent, les universités. Toutes les universités, sans exception. La licence, le programme de la licence, le programme de la master, l'offre de formation de la docteur, je peux le dire, pour le test, il est pour le jamais. Donc, mettez un peu de sourire si ça ne marche pas. Donc, moi, je suis Louis Zara, moi, je suis le final. Score, professeur, il y a un talib, on a parlé de هل يؤخذ بعين الاعتبار الفراغ الموجود بين الثانوية والجامعة في طريقة التدريس التعلم وكذلك التقييم والتقييم؟ لا. La réponse est non. Il y a un fossé entre l'éducation nationale et l'université. D'ailleurs, le problème est qu'ils sont en train de mettre les ENS, les écoles normales supérieures en face à l'air. Parce que généralement, nous formons des licenciés, mais le problème, c'est que le programme avec lequel nous les formons n'est pas destiné à l'enseignement, à l'éducation nationale. C'est pour ça qu'entre ce que vous apprenez, le savoir et le savoir-faire qui vous attend, par exemple, à l'éducation, c'est tout un monde. Et c'est pour ça que quelqu'un a la connaissance, un de les connaissances, mais il n'y a pas parachuté dans une salle de classe, mais il y a parce qu'il y a un véritable écart. Attention, il y a autre chose aussi qu'il faut, rendre justice au système. Madame dit que c'est un échec. Ce n'est pas tout à fait un échec. Elle est, ce n'est pas tout à fait un échec. Parce que le problème, je vous l'ai dit, c'est que je connais le système LMD. Ce sont les enseignants qu'on a recrutés nouvellement. Où est-ce les enseignants que vous n'avez que le système classique. Oh, après le magistère, le problème c'est qu'ils se retrouvent avec des modules, mais c'est même pire, Aslan. Donc c'est pour la première fois qu'ils les découvrent en même temps que ces étudiants. C'est pour ça qu'on a l'impression que le système classique est fonctionné beaucoup mieux. Là, je me rappelle, sachant qu'il peut le confirmer, alors qu'ils avaient proposé, c'est-à-dire un tronc commun, t'as les langues étrangères, parmi certains modules, quel est le module t'as neurodidactique? Des neurodidacticiens, hein, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pour ça que les jeunes enseignants, ils sont quand même perdus. Ils n'ont jamais vu ça dans le système classique où maintenant on lui demande d'enseigner dès la première fois. Je crois, docteur. Le farc بين القطاعين, c'est le farc بين التلميذ وبين الطالب. كان تلميذا وأصبح طالبا. بين أن تتلمذ أن تأخذ وبين أن تطلب أن تبحث أنت. وزارة التربية والتعليم والمفروض هذه يسموها وزارة البحث العلمي. وزارة البحث العلمي. هذا الفرق بين هذا وبين هذا. Parce que même les rapports à l'éducation nationale, on parle d'instruction publique. Enfin, je fais l'instruction, ça me donne rien parce qu'on avait oublié l'éducation. كاين سؤال تكرر من التخصصات بالنسبة للطلبة يعني هذا يعتبر الجواب الصحيح هو الجواب مأخوذ طبق الأصل من كلام الأستاذ يعني طلبة صفة عامة وهذا سؤال تكرر يقول لك هل نجاوب بإضاعتكم ردا إليكم لأنه كاين أساتذة هذاك واش وكاين اللي يؤكد على الفهم
وهنا نرجعوا للسؤال اللي كنا نتحدثوا عليه ليفالياسيون طرحناه على التوحيد المعايير ولا التوحيد هذا سؤال يعني تكرر كثير وبزاف طلبه إذا كان نخلو confine students right to the exact correction of the teacher, the exact I'm saying word for word, verbatim, right? So it is to not to give him the autonomy and to, not to grow in him the seeds of autonomy. Ça va contre l'autonomie. Donc le thème clair du thème moi je prends un monism, alhamdulillah. Mais quels the main landmarks, framework that the learner's answer will get into this framework. نفترض نقول في كلام الأستاذ ما نظنش أنا كل كائن أنا ما نشكش ما نفهم حتى أستاذ أنا مدير الشهادة في الجامعة. كائن. أنا نحن على ديبارتمون تاعي. لا بصفة عامة. لا تحكوا على الجامعة الجزائرية. لا يا لا لا لا. سي دي رياليتي نو غوسوفون نو نو مي شير Je suis vice-recteur et c'est valable pour tous les départements. C'est valable pour tous les départements. On en reçoit. Vous savez, lorsque vous n'apprenez pas aux étudiants à réfléchir, on ne leur apprend rien. Comment voulez-vous qu'ils soient autonomes si on ne leur apprend pas à réfléchir? Mais là, il y a une autre réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'étudiant ne peut pas être autonome lorsque l'enseignant lui-même n'est pas autonome. Ou l'étudiant l'autonomie de l'enseignant. Un maître assistant qui vient de débuter, je ne peux pas lui demander d'être autonome. C'est quelqu'un qui apprend une matière, les hespou, les grands magistraux. Mais un maître de conférence A et professeur. Ouma, il doit produire du savoir. Ouma, on est impardonnable avec eux. Mais un simple maître assistant B et un maître assistant A, mzel, ils sont en train d'accumuler leur expérience pour faire la part des choses. أنا بالنسبة لي بكل صراحة من يولي كلام الأستاذ في الامتحانات لا شيء كلام الأستاذ مادة علمية ننطلق منها للبحث عن الإجابة لإعداد